Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation doublement différée du Pour M. match. Kane, à la demande de M. Kane hier soir, dans la Ouais! nuit. Donc, du match de Taco Cap et de qui l'autre donc? Matt Thunder. C'est ça. Ouais, donc double différé parce que non seulement le match a été fait il y a une semaine, mais non seulement, quand vous le verrez, ben, c'est pas nous qui vont parler, ça va être un enregistrement. Donc, parlez-nous pas, ça sert à rien. Ce que l'avantage par contre, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de downtime, parce que les matchs sont déjà faits. Pas de bande, pas de pic, rien de tout ça. Puis l'autre Direct dans l'action. avantage, c'est que moi, j'ai pas vu les games, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Tom se souvient plus des games parce que c'est un. Parce que j'ai une mémoire de marde. Voilà. Fait que ça va être Parfait. des belles réactions qu'on va pouvoir donner. Donc, sans plus tarder, je vais aller voir en fait le premier draft. Ouais. Donc, le premier draft qui se passe à. Oh, j'ai même pas la map. Ah non. Ice Ice Mines? Mine. Ouais, la Ok. gloire est re... Moi, elle est revenue. Ok, c'est Non, c'est ça pareil. bon. Ok. Donc, là, malheureusement, je peux pas vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme draft parce que, oublié, c'est de la merde. Mais on peut vous parler pareil. Donc, on a Turondin sur Makoa, Arimi sur Grok, Lemieux sur Fernando, Giwick sur Ceres et Moy Moy sur Bomb King. Donc, toute l'équipe qui est là aujourd'hui. C'est bien. Puis, du côté de Matt Thunder, on a Monsieur Kane sur Maldamba, Bass sur Khan, Philosh sur Dredge. Dredge. My Supergirl sur Viviane et Pétale Princesse sur Inara. Ça va être Ok. Ouais, dangereux, c'est Kane sur Madden là. ben je sais pas. Non, c'est clair qu'il va pas y aller Ah, Thunderbolt. moi, je pense qu'il va y aller heal, là, mais il peut faire du gros heal là, parce qu'il y a un aim de fou. Fait que... Ouais, non, ça c'est vrai. Puis ça va faire du bien, en fait, surtout avec Khan puis Ouais. Inara. Puis Viviane sur Supergirl. Ouais, ben c'est ça, c'est une grosse combo qui fait juste beaucoup de damage. En fait, c'est deux gros damage en arrière avec deux Ouais, grosses c'est rushs en ça. plein C'est milieu. un gros damage de blast avec Dredge, puis un gros. De Etican, les deux Ouais. combinés ensemble, ça va être pas pire. Si mettons, ils réussissent à pas se faire flanquer, ils vont péter la gueule dans Icemine. Là, de l'autre Ouais, ils vont avoir de côté. la misère à avancer. L'autre côté, ben là, on a un Grok qu'on sait qui fonctionne très bien dans Icemine, mais en même temps, on n'a pas trop de deployables de l'autre côté. C'est ça. C'est peut-être un problème. Ceres qui est bonne dans cette map-là. Bomb King, par contre, ça peut être une bonne surprise. On l'a pas encore vu vraiment cette Sérieux, Pumpkin, saison-ci. c'est pas pire, là. Mako, ça peut faire des bons hooks si il est focus sur la bonne place. Ouais. Mais c'est le Grok, ça peut être bon, comme ça peut être de la merde. Ah, c'est ça. Le problème avec Grok, c'est parce que tu fais énormément de poke damage, mais il te faut quelqu'un pour faire le follow-up. Puis là, C'est vrai. ils ont pas de Comme flank. ça fait pas de kill, là. Ouais. Fait que, il faut que Bomb King fasse la job. Puis ça va être sur lui, je pense que la Ouais, game va se c'est ça. porter. En même temps, là, tu sais, ils ont deux gros damage. Côté des rouges, mettant Tinder, puis ça peut briser les. Puis ils ont deux tanks l'autre bord avec deux shields. Fait que, tu sais, leurs shields, ils peuvent fondre assez vite, puis après ça, ils n'ont plus grand-chose pour se protéger. Ouais, c'est vrai. T'sais, Inara et Icemine, ça fait de bons murs, puis ça bloque assez bien les entrées, là, Ah, à ce le prix. qu'il faut parler aussi, c'est du Hold the Khan qui est incroyable dans cette map-là, parce que non Ah, c'est vrai, seulement ça. les marches sont longues, puis Khan fait juste enlever quelqu'un automatiquement de la map, parce Ah, c'est vrai. que si Puis. Bass manque pas ses autres, Bon, je pense qu'on est bon pour sentir Ouais, ça. on est prêt. Donc, comme je disais, replay, le slash replay. Slash replay. Là, je te donne le chiffre dans 2 secondes. Je l'ai mis de l'autre côté. Va le mettre là. Donc, slash replay 8863. Oh, faut que 8-8-6. je coupe, t'as ce truc. Ah, j'ai écrit dans Discord. Bon. 8, 6, 3, ok. 8-7-0-5-1. Si. C'est bon? Fait que C'est 1, 8, 7, 0, 5. À go. 1, 1,2, 2, 3. 3, go. Bon, on peut peut-être une C'est petite seconde différent de comment on fait cadavre. reculer, avancer, je sais pas trop comment. Ouais, mais Ah, ben alors. c'est ça, l'autre fois qu'il a fait. Il l'a fait là, le raft. Ouais, ben c'est ça, c'est qu'on n'a pas grand temps de le faire. Parce que la Au game va moins, on en sauter a très parlé rapidement. avant, donc C'est c'est ça ça. la. Au moins, on ne va pas parler des légendaires puis de tout le reste. Ouais, ça. Ben, pour avancer, reculer, c'est page up, page down, mais ça sera pas vraiment nécessaire à part si on est vraiment loin l'un de l'autre. T'es-tu dans le match? Ça va. Oh boy, ça a lagué. Toi, t'es pas dedans encore? Ouais, je suis dedans.
C'est quoi ton décompte en haut? Je suis à 75, 74, 73, 72, 71, 70. C'est moi qui faudrait que je ralentisse, quoi. Ben, t'es où? Tu peux t'avancer? Ben, moi, j'étais comme. Bon, le décompte en haut, là, les petits chiffres. Ouais. Bon, là, je suis à 11, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon, 18. J'étais à la même place que toi. 19. Okay. Bon, fait que là. Et légendaire, là, mon Makua, c'est Standard, Léviathan. Fernando, Fireball, ça, ça a l'air que c'était moyen maintenant, mais. Ah non, c'est encore très bon. Ça dépend bon. Vraiment. Ben, ce qui est formidable, c'est pas incroyable, ça, l'affaire. C'est qu'il n'y a aucun super bon légendaire. C'est pas, hein. Ben, non, c'est vrai, non, c'est vrai. Il y en a plus de bons, maintenant. Après ça, Arimi, Damage, Grok. GWX, Super Collector. Try Hard, Garcia, My Moise. Il faut que tu te dépêches un peu, je pense. Scuttle, Filouche, oh, ça c'est différent. Opportunity and Chaos, Parlous Grace, Storm of Bullets, Beam Switch, Shonda. Ok, yeah. Ah, fuck, c'est déjà commencé. Ouais, c'est ça. Donc, Filouche, tu vas se positionner. En fait, toute la gang va se positionner vraiment à droite, honnêtement. Alors, j'ai pas mis les noms des équipes, mais c'est de le faire après. Ah, oh, là, un beau hook sur tes basses. Est-ce que tes basses vont mourir là-dessus? Ah, non, mais. Non, il risque de s'enfuir. À droite, j'ai beaucoup de pression dans le. Ouais. Un hook de ma quoi. Droite, je vais mourir là. Ah, même pas! Et si tu veux, j'ai réussi à survivre. Mais... c'est bon. Allez, ils vont. Bon. Reste. Game, switch, shift, 6. Là, mais Mike a de la misère en ce moment, il va peut-être se faire tuer, il vient de mourir par la part de Supergirl. Ouais. Ken est allé heal. Ça paraît. C'est le meilleur ce qui reste. Au début, il y aura pas beaucoup de cotes là. Le meilleur ce qui reste la seule ligne de défense, mais malheureusement, il est un petit peu trop en avant. Kane, là, il y a le double, il y a carrément le double d'ailleurs pour l'instant. Bon, mais là, on vient de commencer la game une seconde. Non, mais c'est ça, je te dis, s'ils n'ont pas beaucoup de cotes, ils t'embarquent. Ouais. Ouais, Kane, c'est fait double. Il y a un combat de Moi Moi contre Bass en arrière. Un nul de Namba. Rémi fait beaucoup de pression en avant, mais malheureusement, c'est pas encore assez. Il va prendre un peu plus de temps. Mais oh, il commence à l'avoir là, à la fin, là, fait que c'est bas. C'est encourageant de la part de Taco Cap. Ouais. Ok, il joue vraiment safe. Il fait juste heal, il fait attention que ses teams. C'est pas ça qu'il faut faire avec Mal d'en bas. Ah, ben c'est ça, c'est bon, là, il prend pas trop de rythme. Ouais. Moi qui va aller ulter dans le top, on va voir ce qu'il va pogner. Oh, ils l'ont pas vu venir. Il a oublié de recharger ses manches sur les boules avant. S'il avait fait ses mines, il aurait pas loin le Supergirl, quoi qu'ils l'ont eu au bout du compte. Oh, ouais. Et là, ils vont rentrer dedans. Brock, l'ultimate de Brock, c'est toujours bon. Ouais. Ça démontre qu'avec les autres, peut-être qu'ils vont avoir la. Filouche est tout seul. Ouais, il va se faire avoir par Bumpkin probablement. Ah, il a essayé de faire un ult, mais c'est pas une idée. Et il l'a encore. Ouais, fait qu'avec les autres, au prochain point, je pense qu'ils ont des bonnes chances d'avoir le point. On voit que ça fonctionne bien avec eux. Arimi, Grok, top damage de ouais. 40 000. Ça, c'est pas étonnant. Grok fait beaucoup de damage, comme on l'a dit, mais beaucoup de poke. Ouais, ben c'est super. Mais ce qui m'étonne, c'est que Grok a pas encore cut. Ah, un nul de canne. Ouais, j'ai oui, ce qu'il va perdre sa vie là-dessus. Bon. En plus de ce qui reste d'autre bord, ils vont pas pousser ça en masse. Moi, je suis sur Damba, là, je reste dessus, c'est pas moi qui filme. Non, ça, c'est pas toi qui filme, fait que tu peux même sortir et aller voir à l'extérieur. Ouais, je pourrais faire ça. La pétale princesse qui fait avancer le point finalement. Ah! Bon, il y a un beau. Peu haut de pétale, oh, ça, ça va être beau ça. Ah, un peu plus de follow-up, ça a arrêté par contre, je fais le choix là. Nice. Là, mais une perte sur rondin, ça va faire mal. On va avancer du côté de. Du côté de mettre en tender. Mais moi, il essaye fort, mais là, il est tout seul. Ouais, il va reculer. C'est une bombe, faut lui reculer. Peut-être elle va se faire la stun. Ah non. Là, j'ai Wix qui est en train de faire des problèmes ici. 3 avancées. En effet. Ah, mais malheureusement, il manque de. Il manque de corps pour contester le point, là. Ouais, il était tout en haut.
Là, c'est vrai qu'il y a des grosses ultimates, là, l'équipe de Viril, c'est ça? Ah non, il n'y a pas Viril ici. Il y a Metal Tender puis Attack au 4. Ah, Attack au 4, c'est ça. Donc, les items, ça n'a pas trop changé beaucoup de cotes du côté de l'équipe des Metal Tender. Moi, je pense que pour l'instant, là, c'est Kane, là, il y a encore le double de Yi. C'est un gros problème. Faut qu'il meure ou faut qu'il prenne plus de cotes. Ouais, je suis quand même étonné d'ailleurs. Il a fait du damage, le damage il fait pas grand chose, il meurt pas. Ouais, ça, bon, c'est le poke. Tu crois pas. Moi, je veux rester. Ça va. Qui débute à droite. Ouais, les gros sont consumés à gauche. C'est deux façons différentes de jouer dans ce map-là. Bon, ben, ok, on y va pour un gros flank du côté de Taco 4, là. Puis le haut de Mandamba qui va juste un peu trop loin. Ouais. L'ultimate de Mumkin. Ouais, mais il va aller directement, oh! Directement dans le haut de Filouche, mais ça a rien fait, je sais pas comment. Filouche qui a fait un double kill avec ça. Ah! Sondin, Makwa va faire un ultimate, probablement, même s'il est seul. Probablement. Et voilà. On lève là. Il va se faire burster par. Par les autres, ils vont essayer de s'enfuir. Temps, s'il peut avoir un kill, ça serait bon, mais je pense pas qu'il est capable. Ouais. Bon. Ah! T'as raison. Là, on va perdre Arimi. On va le tuer en plus, on va leur faire des crises. Ouais, par contre, ça fait que ça laisse les bleus un peu plus de chance pour revenir au point. J'aurais cru qu'ils l'auraient gardé, vu que Grok était seul. Ah! Ouais, c'est vrai. Là, les bleus, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Décidément. Les teammates de Viviane en plus, ça va mettre énormément de pression. La Turondin qui passe en arrière de tout le monde, il va aller chercher le mal d'en bas. Oui, Turondin, il m'a quoi sur le point? Je m'en viens. Ah, il y a eu personne maintenant. Ah, mais Arimi, ça fait que les houblons vont avancer à cause de ça. Là, il faut un petit peu healing, il a pas eu son healing malheureusement. Ah, fait mal. Il faut le haut de Jiwix plus vite. Ouais. Ah, malheureusement, non, ils seront pas capables. Super gars à Karen, merci. Donc, ça va être une autre capture de la part de Metal Tender. Il y a encore du bon, il y a encore. Un gros qui est allé sur code 1, là, peut-être qu'il commence à voir qu'il y a de la misère. Ouais, ben c'est ça, ils sont pas capables de faire les kills, malheureusement. Mais 100 000, c'est. D'après moi, Kane va le top E à la fin. Oh! Oh, beau, le Filouche qui est dans. Ouais, qui est dans la merde. Nice. Ok, un autre de Grok, ça va pouvoir rentrer. Ouais, ça va faire mal. Les autres de Grok, ils ont tellement d'impact. Je cherche le Grok. Le Grok, c'est 3. Non, pas 3. 2. C'est 4. Non, c'est 2. C'est 2, je pense. Ouais. Ah, c'est 2, excuse, c'est moins 1. C'est comme les positions en haut, c'est juste que c'est un peu fourrant. Ah, ça, c'est 0. La ouais. Position, c'est 0. Ben, la position Makura, c'est 0. Ouais. Ah, le. Arrivé, tu fais du gros. Le mur, par contre. Le mur des pétales, tu viens mettre de la merde. Ouais, mais. Aken va être en crise. Mais c'est pas grave, Pétale a quand même enlevé le mur à juste à temps, c'était correct. Le Turondin qui se battait comme il peut, mais je pense qu'il va mourir à travers ça. Ouais, voilà. On a besoin de survivre. Viviane à le record 2, ça fait mal. Ouais, mais comme on l'a dit, Viviane plus Dredge, ça fait mal. Là. C'est juste. C'est ça. S'ils se concentrent, ils font des 10 beaux target prioritization. Ça, c'est beau. Ça, c'est excellent. Nice fireball. Ça va leur permettre d'avancer en maudit. C'est vrai que ça pourrait faire un nul, ça serait pas pire là, pour... Ouais, mais je pense que... non, elle est pas faite. Ouais, c'est... Oh! Le beau hook de Makua sur Filouche. Malheureusement, Filouche réussit à s'enfuir. Ouais. On n'a pas assez de... Bon. On a pas assez de burst damage. Je sais pas exactement ouais, ce que... Oh, ben là, on va voir Moima qui va essayer de faire un autre dans le derrière. Oh, c'était bizarre, ça. Ça a bien fonctionné. Oh, Yukan. Yukan, ça va faire que les rouges vont circuler. Il y a un gros stagger. Non. Bon, en plus, que Ghost Tiger au niveau du Nara, 7 secondes. Ouais. Ah, mais le temps a baissé, what the fuck. Ah, il y a encore quelqu'un dans le back. Il y a Dredge. En effet, il y a Dredge qui est là. Mais je pense qu'ils l'ont spoté, là. Dredge, c'est quoi ça? Ouais, Jiwix l'a spoté. C'est 4. Hein? Mais là, il est plus là, il vient de faire son téléporteur. Ah, c'est bon. Mais ils seront pas capables de retourner. Remarque que Dredge,
Dredge, Mako, ils ont tous le même damage. Vivian, Dredge. Ouais. Bumpkin. En fait, Bumpkin est pas mal un peu la même chose que Vivian et Dredge. C'est juste. Des kills, C'est Grok qui est différent un peu dans la façon qu'il fonctionne. Ouais. Il a décidé de prendre résilience, ouais, c'est une bonne idée. À cause de Damba et ouais. Can. Ils sont vraiment que le problème du côté des bleus pour l'instant, c'est les kills. On a 8 kills du niveau de Mako, de Bumpkin, puis 7 kills au niveau d'Arini. On n'a pas grand chose d'autre, malheureusement. Mais moi, je pense que c'est heal parce que c'est ça. Pourtant, ils ont plus de kills que l'autre équipe. Mais quand tu regardes le heal, là, c'est une bonne différence. Ouais. 137 000. Là, ouais, mais on sait que Mako, c'est pas mal un des meilleurs healers. C'est pas nécessairement le meilleur support, mais c'est le meilleur healer de toute la gang. On voit ça que ça fonctionne plus mal. Puis évidemment, M. Ken l'utilise très bien. Oui, mais Damba. Dans sa map préférée. C'est un peu. Ouais. Je ne ferais peut-être pas ça de la triche. c'est un beau hook de la part de Turondin sur Tebas, mais Tebas qui va réussir à s'enfuir. Ah. Non, il va pas s'enfuir. Ah, Chris, c'est gros ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, je vais perdre le healer aussi, Makua, qui va mettre un beau ult ici. Il reste à Rémi qui va peut-être mourir. Oh non, il va réussir à survivre parce que Makua vient l'aider. Il y avait un Bumpkin avec Vivian. Ah non. Ah. Il a fait un ménage. Ah non, j'ai passé le même piton. Mais ça leur prendra l'équipe de Metal Tinder. Ouais. J'ai pédé sur le mauvais piton. Pour revenir sur Grok, il compte les. Ah, maintenant il compte tout le monde là, en premier plan. Ouais. Ah non, bon, j'ai le massacre à la game moi. Ouais. Ouais. J'ai payé sur un. Tu sais, faut jamais payer sur diviser X pis moins, c'est juste que ça a donné, j'ai payé là-dessus. Ok, il a fait un gros ult. Mais je pense que ça va revenir si tu fais. Je pense que je fais tous les pitons. Tous les pitons, toutes les touches. Ouais. C'est tellement con. Bumpkin fait gros damage en ce moment. C'est bien. Bumpkin est seul sur le point. Ah, Grok, Arini va le sauver, nice. S'ils peuvent tuer Inara, ils vont être capables d'avoir le point après. Là, il y a Dredge qui est. Ah, oh. Can. Oh, bah, c'est raté son nul. C'est quoi cette affaire-là? Il vient de mettre sa team en péril. Ah, oh. Donc il vient de tomber par Viviane. Ah, les bleus l'ont eu. Mettre. Také 4 l'ont eu. Un point. Là, t'as encore jamais? Bah, je suis quitté le jeu. Ah, Dredge, il m'avait fait pas beaucoup de damage. Ben, pas beaucoup. Le damage, ben, c'est la pression. Ils sont toujours obligés de se tasser, puis la map est très rapprochée. Bourg, Antoine. Ben, quoi? Nice. Ah, Viviane, là. Asti. À la pote, là, sur le coin du mur, sans arrêt. N'arrive pas à avancer, ça va prendre un ultimate. Je pense qu'ils attendent. C'est qui attend, là? Ils attendent Nando. On va essayer de pousser ça à 5. Là, Dredge. ça fait juste spammer sur le point. Ah, mais là, il va-tu falloir la recommencer, toi, ton vidéo? On t'enregistre plus, ça veut dire? C'est pas grave. Non, j'enregistre, c'est juste qu'il faut que je fasse page up pour te rattraper. L'équipe des bleus descend pas mal, là. Il va réussir à avoir un kill, je pense. Le Kane, il arrête pas de garder son Kane en vie. Ah, Ken, il meurt. C'est pas le fun à dire. Là. 200 000 de heal pour Ken versus 100 000 avec Cyrus. Il va peut-être aller l'eau et elle va survivre.
Tu rondais, ça vient sur Makoa. Il va en haut. Max out. Non, il arrive pas à mourir. Beaucoup trop de heal. Oh my god. Bon, ça va être une défense pour mettre un Tinder. Malheureusement, j'aurais voulu avoir un push de l'équipe des bleus. Et c'est 3-3. L'équipe dans Turondin, ils ont 5 ultimates. Le ralenti là, avant la prochaine round. Comment? Ralenti avant la prochaine round. Sinon, ça ne sert à rien. C'est la range que je peux attendre. Ah, il faudrait que moi je ralentisse. Oh, oui. Comment tu fais pour avancer? Page down. C'est quoi page down? C'est en haut à droite. Il écrit page down puis page up. Ouais. Right. Ça marche plus. Parce que, ça, si tu vois le point, ça sert à rien. Là. Je vais recommencer la game si on fait ça. Ok, c'est bon, ça fonctionne, ça avance. Ok. Je peux même reculer dans le temps. Quasiment. Tu peux pas reculer par contre. Ok, bon ben j'ai mis un minimum. Ok. Je suis à 16 minutes 15 secondes. Ok. Peut-être tu peux recommander. En plus, tu veux. Ah, mais d'autres, moi aussi. Non, moi je te rattrape. Ok, tu vas en accélérer. Ouais. C'est 16-15. Ouais, c'est 17 maintenant. Ok. Pas payé, on pourrait cast. Combien? Passer le test là. Combien? 16, 19. Ok, avance. C'est à 16-30, 16-31, 16-32. 35, 36, 37. Il y a un Tyrondin qui vient de mourir, ça va ouvrir la porte aux autres. Combien de temps? 45, 46, 47. Ok, c'est bon. Ok. Ça dépend. Ah, mais c'est après ça, ce qui est un peu trop avancé. Ah, le jumet de 15, c'était vraiment huge. Ah, le jumet de Cerise. Bien pogné, malheureusement. Ulti-panique. Ouais, le signe rouge font un bon. Un bon zoning, il devrait l'avoir, mais là, il y a ma quoi qui attend. Si ils font pas les caves, on va demander pour l'avoir le point. Ah, je crois que c'est fini. Non, non, ma quoi est encore là. Tu m'en es par contre. Il y a encore sur autre aussi, là. Il y a encore une bonne chance de rentrer dedans. Il passe par le tunnel, il y a d'avance. Il vient de tuer Supergirl. Nice. Ouf, l'autre qui a filouche, qui a failli tuer tout le monde, elle a pas mal leur dernière chance. Là, il y a un mur, puis là, on vient de perdre Moimoi. Ah, c'est qui se fait hook? Ah, c'est. Il faut qu'il avance, Turondin, il n'y a pas le choix. Turondin, il est. Il a ôté juste un petit peu trop tard, mais de toute façon, il venait de perdre toute leur équipe en arrière. Ah non, ça, sa team ne sera pas contente de lui. Ouais. Bon, ben. Est-ce qu'il va falloir bannir Kane, Alexandre Damba? Non, quand même pas. Non, mais là, je pense qu'il y avait. Il y avait énormément de heal, puis il y avait du damage de l'équipe des bleus, là. Ah, c'est plus le fait qu'ils n'ont pas réussi à aller chercher le Damba. Contrairement à G-Wix qui, lui. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y avait qui pour aller chercher. Ouais. Il mourrait, par exemple, G-Wix, je sais pas trop. Ah, ben, c'est. Dredge, tu peux faire la même. Les bombes qui revoient un peu partout, tu peux faire vraiment beaucoup de trucs avec ça. Tu peux. C'est pas du flanking que tu fais, mais ça fait tellement de pression sur la backline. Contrairement à. Mettons quelque chose comme Bomb King ou comme Grok. Grok peut faire beaucoup de pression sur la backline aussi si la team est bien placée. Et là, non, il y avait comme. Moi, vraiment que la team est séparée. C'est ça. Mais c'est vrai que dans ce map-là, c'est une des maps, je pense, les plus. Les plus coincées, les plus denses. Ouais. Que c'était vraiment bon pour. Mais c'était bon pour Dredge. Ben, c'est bon pour Grok aussi, normalement. Puis effectivement, c'est une bonne map pour Dredge. Passer à la game 2. En ce moment, une victoire de 1-0 pour Metal Tender. Tu draftes avant.
Ouais, je sais pas c'est quelle map, si tu viens dessus. Que je pense. Je sais pas. Tu te souviens pas? Ok, avoir le draft, ça pourrait être n'importe quelle sorte de map. Bah attends, je vais regarder les persos, c'est qui. Bon, Monsieur Kane sur Atlas. Ouais, continue. Ah. Ça doit être... mon action. Mon action. Ashashans Peak. Ascension Peak? Ouais. Ok. Bon. Alors, Ascension Peak, peut-être. On aurait Lee Turondin. On aurait Liane sur Turondin. Non, Turondin sur Liane, c'est bien de même. On aurait Jiwick sur Genos, Arimi sur Maeve, Lomea sur Ash, Moimoi au Bacon sur Makoa. Et du côté de Matantendo, on aurait Monsieur Kane sur Atlas, Bass sur Barrick, Filouche sur Willow, Petal Princess Furia et Mike Supergirl qui reste sur Viviane. Il va vraiment safe, là. Il va remettre encore Viviane sur Supergirl. Il sait qu'elle fait une bonne job. Ben, ça, ils savent qu'elle fait une bonne job là-dessus. C'est pas mal son DPS de prédilection. Puis ils savent. Ça, c'est standard. Ouais, je pense qu'il veut faire un peu de changement. Peut-être qu'elle voulait plus jouer Tank. Elle va peut-être faire un peu plus de healing. Ah, là, c'est vrai. C'était Tank. Ben, tu sais, c'est à jouer. Ouais, c'est vrai. Filouche, ça, c'est toxique. Ouais. Sur Willow. Ça en revient pas. No skills. Après ça, Barrick, c'est bon. Atlas, c'est fucker, là, sérieux. Atlas, c'est vraiment bon ces temps-ci. Le monde ne savent pas trop encore comment le contourner. Fait que, c'est ça. Ça fait mal. Mais par contre, mais non, c'est pas vrai. Atlas et Barrick, ça va être un super bon tandem. Parce que les deux, ils ont pas tant besoin de healing. Fait que Furia peut vraiment. Peut s'arranger avec ça tout le monde. Pouvoir, non, faut que tu sais plus c'est damage à leur équipe. Ouais. De l'autre bord, il y a qui ont Turondin, c'est bon sur Yann. Ce qui est bon aussi avec Furia, c'est que ses healings sont bons, mais pas tant. Mais c'est pas grave parce que c'est sur son ult qu'on compte avant tout. Ouais. Un ult de Furia, ça peut gagner une game. C'est ça. Son ult. Ouais. L'autre bord, H, Magua. Mais moi, ce que j'ai l'impression, je me rends compte que quand deux tanks avec deux shields, faut faire attention. Mais on dirait que, tu sais, bon. Avec ça, tu sais, là, ils ont Viviane contre eux. Surtout qu'à Raker, là, c'est vraiment fort. Ouais, mais attends, là, on a Ash et Makoa, ils les prennent pas pour les shields. C'est pas leur but en ce moment. C'est sûr, Makoa, oups, mais toujours bon d'avoir shield. Je sais pas qui va jouer comment, par contre. La première, ils vont jouer super agressif, ils ont pas un champ. Puis ça, s'il y a un Genos, une Liane, une Maeve, ils sont obligés de jouer agressif. Ouais. Donc, en fait, c'est. La Liane dans ce map-là, ça va être bon. Moi, je trouve que c'est une bonne comp agressive, là. Un hook, c'est fini, là. Tout le monde meurt, puis. Puis, je pense qu'avec moi, il y a. Moi, sur Pluck, là, ce serait pas pire. Moi, c'est un gars d'équipe. Je pense pas qu'il va prendre Pluck, je pense qu'il va prendre Léviathan, mais je pense que ses hooks vont. À chaque fois qu'il va faire un hook, il va genre avoir Turondé ou Arimi derrière, parce que moi, il sait comment jouer en équipe. Fait que ça devrait bien aller. Ouais, j'aime bien les deux drafts. J'ai peur un peu pour Viviane, parce que Maeve, c'est pas mal un des counters de Viviane, pareil. Parce que même si elle a son shield, Maeve fait juste voler au-dessus, puis elle peut même faire son pounce dans son shield. Fait que ça fonctionne vraiment bien pour Maeve. Mais Willow, c'est fort. Ah, Willow, c'est vraiment fort. Son ultimate, là, tu vois tout le monde, c'est dur. Ouais, mais encore là, une fois... Ça va se tirer. Ouais. Les counters de Willow, Liane puis Maeve, c'est pas mal les meilleurs counters qu'on peut. Ouais, Liane, c'est fort, maudit contre Maeve. Ouais, fait qu'on va aller voir la game. Go. Donc, replay. On espère que je répète plus une minute, putain. 8-8-6. 3-9-5-3-2-1. Ah, ça n'a pas écrit encore. Ok. On va repartir ici. Non. 8-8-6. Ouais. 3-9-5-3-2-1. À go. Ok, 1, 2, 3, go. Là, s'il y a quoi, faut pas qu'on touche, là, faut que ça fasse bugger. C'est genre tous les numéros en haut des numéros, genre numéro lock divisé, fois, puis moins. Ouais, je vois ça sur le pad d'accord. Ouais, c'est ça. Il y en a un de ceux-là qui fait fucker la patente, je sais pas si c'est lequel. Pis c'est con, tu sais, parce qu'on passe tout le temps sur page up, page down, pis les chiffres, fait que c'est comme. Je suis en plein entre ça, je comprends pas. Oh, tu mets quoi là? Ça va être quoi, notre légendaire? Donc, c'était donc Shattered Desert, ce qui fait beaucoup de sens avec le draft. Tabarouette, la mémoire de fou!
Non, mais c'est parce que je savais Atlas dans cette map-là, 15-18 ans. Fait que quand j'ai vu Atlas, bah, ça doucement dans cette map-là. Ouais, c'est vrai que cette map-là est bonne pour Atlas, parce qu'Atlas peut tirer de loin comme de proche. Ouais. Même chose pour Maeve, en fait. Ça devient le bordel après. Tout le monde est rewind, puis ils savent plus quoi faire. Tout le monde est tout. Alors, on joue à l'Acuity, Liane. Je sais que c'est pas tant un talent qu'on utilise au niveau compétitif. Grace, ça trouve être quoi? C'est le Right? C'est le F. Ok. C'est pas tant un talent qu'on utilise en compétition normalement, mais je sais que autant Salamander que Tyrondin mettent vraiment en faveur à l'Acuity. Donc c'est un peu la différence, c'est le fun. Mais son deck, ça doit être quand il fait un dash, ça lui donne une mission. Ouais, c'est ça, le bien affaire. Fortress Breaker pour Ash, donc on va avoir plus de shield, comme tu dis, ils vont sûrement péter plus facilement. Autrement, c'est très standard. Ok, donc ça commence. J'ai pas encore mis les noms d'équipe, on va le faire après. On attaque aux cartes à gauche et mettre un T2 à droite. Donc pour l'instant, on size pas mal des deux côtés. Il faut juste rester un peu dans notre coin. Atlas, il est lourd. Ouais, il va sûrement faire son F dans pas long. Non, puis il garde pour l'instant, ils ont pris le contrôle du coin, là, les bleus. Ich, Monsieur King qui a failli mourir là-dessus. Les bleus qui s'avancent peu à peu, mais c'est pas ça leur but. Mais c'est pas ça leur but en ce moment, ils veulent un pic. Ils veulent pas rester sur le point, là. Non, je sais, mais là, pendant ce temps-là, ils ont pas peur de... Bon, je pense qu'on va perdre Furia ici. Non! On change de. Oh, on prend Supergirl à la place, mais on vient de perdre Maeve à la place. Un beau petit trade. Ouais. Bon, et Mike, il sent la pression un peu de Monsieur Kane ici. Il va pas vraiment perdre sa vie. Bon, voilà. Là, il est à sandwich. Ok, c'est bon, il y aura de. J'ai pas vu comment on a perdu le healer du côté des bleus. Non, il est encore là. Non, c'est juste qu'on a manqué un peu les données. Le meilleur, c'est qu'il prend des points importants sur le point. Côté, là. Oh, nice. Il va sûrement mourir dans pas longtemps. Si Lian est encore à vie, c'est bon ça. Ouais. Oh! Et Basque, il va mourir là-dessus, juste sur le bord du shield. Bon, on abuse des hitbox ici, c'est bien. Good. Alors, on va avoir le hold de Furia qui va faire la différence. Bon, Monsieur King, il va peut-être perdre sa vie, il a plus son F. Voilà, il vient de perdre sa vie. Rémi est mort sur le dessus dans le feu. Ah ouais, ah oh, ça c'est pas le fun. Tu sais, les colonnes. Ok, t'es quelques secondes en avant de moi. Ah, ça se peut, t'es à combien de temps? J'étais à 2.34, 2.35, oh, 2.36. Oui. Tu l'as vu quand elle est morte? Non, j'ai pas vu. Mais je l'ai vu dans les. Bon, je vais pêcher, je dors. J'étais à 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 57, 58, 59, 3, mais ça va? Tu sais qui se passe de quoi là? 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3, 3, 4, 35, 3, 6, 3, 7, ok. Donc pendant ce temps-là, Metan T2 a réussi à prendre des points finalement, mais c'était un point vraiment contesté. Tu peux le faire plusieurs fois en parlant avec Gidan qui fait le job. Alors, Rémi fait beaucoup de dégâts par en arrière, il attend qu'elle ait un bon moment pour y aller. Je pense que ça va être le temps, je pense qu'il faut que je suis en difficulté. Mais là, Maeve qui manque beaucoup de coups, je pense qu'elle a un petit peu de problème en ce début de match. Elle va sûrement se reprendre après un bout de temps. Sais-tu qu'Atlas est top damage, hein? Ah ouais. Atlas, ça fait vraiment beaucoup de damage. C'est quand pas pour rien qu'il est banni tout le temps. Rémi, elle fait beaucoup de damage de loin, elle essaie de se trouver le bon moment. Ouais. En ce moment, on sent par contre qu'il manque un peu de... Ouais, ok, Arimi en arrière. Maeve. Oh, ok, à back. Ouais, je cherche. Elle est là. Ouais, elle est sur base, mais je pense qu'elle s'en va dans... Elle va mourir contre Kane. Ok, Kane va la rewind, elle va mourir. Ouais. Il se met des willows encore. Ouais, mais là, il y a Tyrondin qui est dessus, je pense qu'il va... Il va mourir là-dessus. Non, non, il a réussi à tourner le coin juste à temps. Ouais, c'est vrai que Tyrondin met une petite... Oh, mais là, un beau rewind de Kane qui va mettre toute l'équipe dans marde du côté de. Du côté de Taco 4. Bass, il va mourir. Ah, même pas. C'est pas mal égal, là. Ils ont emprunté un de chaque bord. Mais Kane va s'en revenir, là. Bah, Kane, il est mort depuis longtemps. Atlas. Faut que je dise un autre des persos, sinon. Ouais. Ah, c'est pour descendre, c'est bon.
Il y a des beams qui arrivent un peu partout, c'est... Ok, c'est... Ah, on joue Cherish, on joue pas sur le beam. Bah quoi, qui est en difficulté, qui va essayer de s'enfuir. Vivian est en ultimate en ce moment. Ouais. Elle fait du damage sur le point. Bon, on va faire un beau hook sur Monsieur King qui va mourir à travers ça. Et voilà. Oh, bon, Emma, il a failli mourir à cause de Filouche. Ah, Emma, il est mal pris. Ah non. Mais ils ont réussi malgré tout. Hook. Il manque quoi, c'est hook? Bon, Emma, il fait des bons hooks. On sait très bien. C'est des hooks, un attend pas l'autre. Si il a l'air d'en faire un bon au début, là, puis de pogner quelqu'un, ça va faire mal à l'équipe. Mais par contre, les rouges prennent bien leur distance, puis c'est bon pour eux, parce que Makoa peut pas s'approcher puis faire un hook. Ils jouent distance, ils ont rien, ils ont pas de raison de s'approcher. Là. Ouais. Ils peuvent tout faire du damage de loin même, Ludo. Mm-hmm. C'est qui, Furia? C'est, okay, c'est Pétale. C'est Pétale. Bon, les stats un peu. Damage, ça s'équivaut pas mal. Tu en es revenu à en tête avec 50 000. Suivi de Ludo 46. Atlas 40. Viviane, pas beaucoup de damage par rapport à tantôt. 27 000, mais elle doit leur faire mal de loin. Ça les empêche de s'approcher. Ça joue du côté des deux, un ultimate, ça va être bon. Oh là, Makoa qui s'est avancé beaucoup. Il va aller chercher My Supergirl. Ah ouais, c'est ça. Ah, les gars, là, ils sont vraiment allés là, agressifs à fond. Ouais, il reste encore Filouche, mais là, oh, Makoa, il va rentrer, il va faire son ult. Il y a un ultimate, mais parfait. Ouais, il va se tuer basse, parce qu'il vient de mourir, il reste juste Filouche. Là, ça va être spontané. Là. Ça va être un bon stagger s'il réussit à faire un ult là-dessus. Non, il décide de revenir à la place. Parce qu'il y a la Filouche. C'est bon, c'est évident. Oh là, on a un autre, malheureusement un petit peu trop tard. Je me suis trompé, j'ai dit. Tu m'en rends, je pense que c'est Mama et Smako. C'est Mama et Smako, en fait. On est plus. Bon, ça l'oblige à rewind, il y en a plus. Ouais, ouais. Là, mais quelqu'un va sûrement crever bientôt. Okay. Voilà. Ouais. Mais moi, il fait un gros travail en ce moment. Oh, c'est il vient d'empêcher Tebas de faire son ult. Il y a Tebas qui perd son ult à cause de ça. Ah. Et là, on va sûrement perdre Filouche de l'autre côté, on va perdre Arimi. Eh hey, non, Filouche réussit sans feu. Il y a un V1. Filouche vient de mourir. Et voilà. Ah. Là, c'est Supergirl qui va se faire avoir. Avec Makoa. Ouais, voilà. Comme je disais, avec Turondin et Makoa font un bon travail d'équipe en ce moment. Dès qu'il y a un hook, Turondin fait le follow-up, ça fonctionne super bien. Ouais, c'est vrai. Le point il avance tranquillement. Ce qui pousse ça, là, c'est. C'est Jiwix. On vient d'avoir un autre hook. Mais Filouche a réussi à s'enfuir. Et il joue beaucoup autour de Makoa, là, on dirait que ça aide. Il reste proche de lui, comme ça il peut tuer pour utiliser les hooks. Effectivement, oh, là, c'est qu'on va perdre Arimi. Déjà, elle est là. Non, elle est là. C'est bon, ça. On va avoir un beau hold d'Arimi. Est-ce qu'il va réussir à prendre le healer? Non, non, il a décidé de changer de target, puis il va peut-être mourir à cause de ça. Ouais. Oh, elle va réussir à rester en vie, mais pas pour longtemps. Ouais, c'est bon, ça. Oh, il a un autre hook de Moïmoï qui finit par Turondin sur Monsieur King. Ah, Moïmoï est écœuré là. Il va avoir son point. Ah! Oh! Hugo! Turondin qui fait un hold. Ah, il manque l'avoir. Ah, mais il y a du. Tu réussis à garder sa vie. Hein. Ah, fuck, il n'y a su. Il manque un petit peu de healing là, du côté de Taco 4. Ah, ben là, c'est Filouche qui vient de faire un triple kill. C'est un gars là, il se met une petite torrette pour survivre. C'est pas correct ça. Filouche, on l'a vu qu'il a vraiment ramassé tout le monde. Il est juste rentré à travers dans le tas, puis toutes les low health sont toutes mortes de chat. Bon, Yomeos, il décide de rentrer. De foncer pas mal, mais là, son shield, il a pété. Ah, beau hook, c'est Tebas, il va mourir. Ah, Tebas, il va mourir, j'ai vu ça. Et voilà. Ça va faire mal, les bleus maintenant ils peuvent s'avancer. Ah, il y a un ultimate, moi, il va sûrement le faire. Il va foncer là. Je sais pas, on est encore loin. Non, oh, il fait. Ah, oh, mais il rate. Ah, oh, tabarnak. Ah. Oh. Ah, il est pas chanceux. On a encore les meilleurs pour pousser le point ici. On a aussi Filouche qui fait du gros travers en ce moment. Hein. Peut-être ce qu'il peut faire, c'est attendre l'arrivée de Makoa encore. Pour une deuxième tentative. Ah, oh, mais là, il y a une cravache. On voit qu'encore ce tapis là. Ouais, ben c'est facile, il n'y a pas le follow-up. De Genos. Ah, on est là en bout. Malheureusement. Il est encore 13 secondes, mais ouais, non. Il prend un peu.
On aura sûrement un autre bug de ma cour dans pas longtemps. Peut-être qu'il peut essayer de se rendre, mais il va sûrement mourir. Ah. Oh, est-ce que. Philo, je viens de mourir. Est-ce que quelqu'un va réussir à se rendre sur le point? Non, malheureusement. Un beau stun. Je sais pas qui c'est qui avait fait le stun sur Ash. C'est le beam, je pense. Ah, probablement le beam, effectivement. Ouais, si Mama, il avait été capable de partir sur son décimètre, là, je pense que ça aurait été un push. Si on allait directement sur le beam. Je sais pas. Moi je trouvais ça. Il rentrait là, c'est comme un tueur aussi. Non, mais ça, mais il aurait sûrement réussi son kill. Mais je pense que son équipe en arrière avait déjà des difficultés. Puis il aurait peut-être pas observé longtemps. Puis à 1 contre 5, ça fonctionne pas. Puis il est encore loin de la conversion. C'est moi, là, c'est pas les potes. C'est vrai, c'est vrai. 1 contre 4, peut-être. Ouais. La conversion est encore loin. Puis loin comme ça, il aurait le temps de revenir les rouges après ça. Je sais pas. Le heal, c'est égal en ce moment. Ouais. C'est bon. Ça fonctionne bien. 100 000 des deux bords. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Damage aussi. Non, on voit que Maves commence à se rattraper, elle commence à retrouver ses repères. Oh, on voit, enfin un gros flingue du côté des bleus. Oh, le ult de Jiri s'est failli tuer Tebas. Non, on vient de perdre peut-être la princesse. Il focus ta backline, c'est ça qu'ils font. Là. Ouais, puis là, c'est un beau ult de la part de Jiri Kame. C'est dur d'avoir un beau ult sur Atlas. Ils font un méchant flingue du côté des bleus, puis ça fonctionne pas vraiment. Un Willow Leaf. Non, Monsieur King qui va perdre sa vie ici. Là, les rouges doivent circuler. Malheureusement, le healer était mort et ça a paru. On voit, moi, il maîtrise bien sur ma colle. Il a pas peur. Oh, J-Wix qui a failli perdre sa vie contre Supergirl. Ça s'en venait vite. Supergirl qui fait du gros dans. Ah ouais, c'est ça. Il va mourir. Ouais. C'est plus résilience. Parce qu'il se fait hook, il se fait grab par Genos, puis il est écœuré. C'est une bonne idée de faire une résilience à ce moment-là. Supergirl qui fait beaucoup de dommages, malheureusement. Il n'est pas capable de faire de kill. Il manque un peu de follow-up. Il manque de flanking. Et là, ils ont Supergirl qui va perdre la vie contre Arimi ici. Pourquoi il va commander? Il s'en va. Là, Vivian est là qui va revenir. Ses amis sont venus derrière. Il reste Kane en arrière. Tu fais un gros flank, là, oh, il va réussir à faire son F pour revenir. Ah là, Willow va. Ah ouais. Il va sûrement tuer la merce là-dessus. Oh, au moins, il va le faire reculer par en arrière. Bon, la merce, il est mort. Pas tranquille. Bon, ben. Ouais. On va se regrouper du côté des bleus. C'est louche. Au pic, il vient de tuer toute la team. Et puis là, je fais une bonne game en ce moment. Ouais, 13 kills là. C'est bon, il y en a le plus. Oh, mais c'est quelqu'un qui va sûrement se faire hook. Les hooks de Makua, c'est des games qui sont vraiment importants. Ah, t'avais raison, il joue vraiment pour ça. Mais là, il est mort, il est chasseur. Ils sont tous morts. Ouais, là, ils ont une minute, là, ils ont temps de revenir. Ils ont temps de revenir, ça a mal été cette fois-ci, mais ils vont s'en prendre. Ah, ouais. C'est pas vraiment à chaque fois. Hein. Non, c'est ça. Le problème, c'est que là, les rouges ont réavancé. Ça peut tuer. Il y a un qui fait du bon pour de loin. Mal, non, c'est clair. Mais quand tu as des gros couloirs comme ça, Vivian est vraiment l'avantage. Ouais, tu peux pas gagner un 1v1 contre Vivian, c'est impossible. Moi, il l'a eu. Ah, parfait. Moi, il est pas mal de ça, il est creux, là. Ouais, mais il va se faire rejoindre par son équipe. Ouais. Bon, mais là. De son équipe qui vient d'arriver. Il va l'avoir là, il essaie de monter là. Ça manque un petit peu d'healing, on s'est aimé qu'avec Genos, c'est le problème. C'est ça, faut attendre un peu. Merci. Ouais, ils ont fait mal les rotations. Hook encore. Ouais, grab. Technique habituelle. On hook puis on grab. Fucking toxique. Ouais, c'est bien, c'est du bon travail d'équipe. Ouais, là, Tebas qui va sûrement mourir là-dessus. Encore un hook. Ouais. Allez, battre. Ah, oh, ça, c'est, par contre, c'est moins bon comme Shield Spin. C'est moi qui va protéger Ariane. Je pense qu'il va l'avoir. On est encore loin du point de conversion. Ah, je pense qu'il va falloir qu'il te. Ça se peut que ça se passe là. Mais surtout, si Monsieur Kane fait un gros stagger, ça va être. Il va le faire. C'était peut-être le moment de mourir, mais Monsieur Kane a décidé de rester en vie, puis c'était peut-être pas la bonne idée. S'il est mort, il prend plus loin de Makua dans son lieu, c'était bon. Ça. Ouais, non, ça va pas bien du côté des roues en ce moment. Non, ça va pas bien. Là, un beau hook sur la Furia.
qui vont faire son roi pour essayer de se garder en vie. Non, ça ne marchera pas. Mais je pense qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et non, voilà. C'est la victoire pour Taco 4. Il n'y en a pas. On en a juste un ultimate sur Willow avec Tsurandin. Si voilà, si on poussait ça vite, je pensais pas que c'était à l'aide finale de même. Ouais, ben M. Kane est un peu trop stagger, malheureusement. Son équipe était pas du tout là. Puis ça fait qu'après ça, il a pas pu aider pendant tout. C'est lui qui retenait les. Quand Kane était en vie, là, ça permettait de retenir la team adverse pas mal. Ouais. Des shields, genre de shields, plus. Rewind, hein, c'était quand même pas pire. Ouais. Je me demande vraiment ce qu'ils ont banni dans cette équipe-là, par contre. Parce que, ben, dans cette dame-là. Parce qu'on avait un Makura, on avait un Atlas. Fait que, pendant qu'on a banni quelque chose comme Eevee... Daruma Cyrus a sûrement dû être ban, juste pour un man. Cyrus, tu penses? Je trouve pas qu'elle avait tant d'impact dans la game d'avant. Non, mais... Parce que ça a donné de même, mais ça peut être bon, là, ben sinon... Mais ça peut être bon, mais tu vois, il y avait des shields des deux côtés. Cyrus, le rôle de Cyrus, c'est pas très bon quand il y a des shields. Ah, t'as raison, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Ils ont sûrement banni Eevee, ils ont sûrement... Tu sais, parce que même Willow est là. Ah! Ouais, Eevee. Je suis pas sûr qu'il vient sûrement qu'il m'a banni pour tout le monde, ça serait logique. C'est pas, il faut que je demande qu'est-ce qui s'est passé pour ce draft là. Je suis un peu étonné de voir autant de bons trucs. Ah oh, ben là c'est stressant avec qui il va gagner. Ben là c'est 1-1. C'est ouais. On va aller voir la prochaine game, on va aller voir le prochain draft en fait. On va sortir ça. Ouais. Non, c'est pas là, ça c'est la game 3. Quoi. Tu viens juste dans quelle map? Bon, la dernière map. Tsurandin sur Lian encore. Ben, la draft, ça va être tapé là, la map, elle va revenir. Non, ça, je crois que je serai pas. D'accord. Déjà, on voit des gros changements. On voit Terminus pour Filouche. On voit Bass sur Willow. Monsieur Kane sur Maeve. Supergirl sur Makua. Et Pétale Princesse sur Ceres. Puis du côté de Taco 4, on a Moi et Moi sur Barrick, Le Meilleur sur Ash, Arimi sur Io, G-Wick sur Drogoz et Tyrondin sur Lian. Ok, en fait, des gros changements des deux équipes. C'est quelle map? C'est Serpent Beach. Serpent Beach. Très bien. G-Wick m'a fait un flashback. Ça, effectivement, ça a bien d'allure parce qu'avec toute la mobilité qu'on a là-dessus, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, Drogoz, ça peut être bon. Mais contre Terminus, ça dépend quel carte légendaire tu vas, mais son siphon peut vraiment emmerder. Ouais, c'est vrai que le siphon. Au début, on disait que Terminus était vraiment pas bon contre Drogoz, mais depuis qu'il y a son siphon, Drogoz a bien de la misère contre Terminus. Parce que son right-click, son first speed, ça a pratiquement rien. Ah, c'est ça. Tu vas le faire, puis il va faire son siphon de suite, puis tu peux pas le faire par-dessus comme Andro, c'est beaucoup trop gros. Ah, puis même chose pour son. Sa salvo, là. Non, sa salvo. Ah, c'est salvo, ouais, même affaire, c'est vrai. Quelqu'un est moindrement t'es alerte, il va l'absorber au complet. Puis Maeve aussi, il est rendu un très bon counter contre Drogoz. Avec des bonnes Maeve, je pense que M. Kane. Ah, surtout que Kane nous a dit qu'il a presque sa Maeve. Ah, on le croit, on le croit. Il a dit qu'il arrêtait pas de. Ouais. Qu'il manquait pas de shot. On va aller voir ça. Cette fois-ci, on a le Makua du côté de. Du côté de Met on Tinder. C'est. Je sais pas encore une fois c'était quoi les bans. Ouais, je trouve qu'il y a un bon draft du côté de Met on Tinder. Ça va être dur de la part de Taco 4 de faire la job ici. Mais en même temps, on a Io qui est quand même assez intéressant. C'est sûr qu'elle elle a un peu plus de difficulté à healer, parce qu'il faut qu'elle fasse. Genre, il faut tout le temps qu'elle se concentre sur le healing ou sur le damage pour aucun des deux. Mais ce qui est le fun avec elle, c'est Luna finalement. Mais c'est bizarre, ils ont mis Arimi sur Io. Non, c'est pas vraiment bizarre sur cette map-là surtout. Ça fait plusieurs fois qu'Arimi joue Io dans cette map-là. Puis ça fonctionne très bien. Aussi, elle fait vraiment du damage. Ça sert vraiment beaucoup d'avoir un chat sur le point pendant que le reste du monde se bat. C'est vraiment utile d'avoir ça. C'est sûr qu'un chat, c'est le fun. Ah, un chat, c'est tout le temps. Ah, c'est vrai, ça permet de mettre de la pression à 5 là, pendant ce temps-là. Ouais. Puis ça fait aussi que, tu sais, même s'il y a un combat à droite, ce qui habituellement se passe à Serpent Beach, ben, il peut quand même avoir quelque chose sur le point. Donc il y a quand même des points qui peuvent se gagner. Là, à droite, je vais dire sur le high ground. Bah, c'est allé boulot. Ouais. Mais là, justement, ça, c'est dangereux. Basculo, Kane sur Maeve. Un combo d'ultimate, là. Ça, je le sais, on l'a eu. On a dû jouer contre ça, je pense. Puis l'équipe de Moutarde aussi. Puis moi, personnellement, ils ont perdu à cause de ça. Ben, l'équipe adverse a perdu contre ces deux ultimates. Très fort. Ouais, puis on s'entend que l'ultimate de Terminus puis de Makua, c'est pas à rechigner non plus. Non, c'est ça. C'est écrit, ça. Ça fait une autre vie.
Fait que, ça donne envie, ouais. Reste... Mais là, il y a Drogo. Par contre, Drogo, si, mettons, Drogo, tu pourrais à la limite, genre, pogner Moral Boost à fond, puis faire son ultimate toujours ouais. sur eux. Mais de plus en plus, Moral Boost, je dirais, l'île de Drogo, c'est de moins en moins bon dans une team qui est bien coordonnée. Puis je pense que c'est le cas de te mettre en tête. Parce que, genre, tu le fais, puis genre, t'es presque sûr de mourir. Là, ouais, c'est ça. Non, c'est un trade, mais. Mais ouais. On va voir. On va voir si. Parce qu'il y a quand même beaucoup de damage qui va se faire du côté de Taco 4. Fait que c'est beaucoup de damage, je compte beaucoup d'utilité. Les noms d'équipe, on a de la misère à les dire. Mais surtout qu'en ce moment, je ne suis pas en jeu. Taco 4, mais Tender. Tu sais quoi? Il semble que Oasis, ça se dit bien. Ouais. C'est ouais, communauté. On est censé être une communauté francophone, nous avec des noms anglais. Vous avez un nom français, puis c'est parfait. Là. Verminon, c'est super facile à dire. C'est pas bon. Ah, ouais. Je suis en train de penser qu'il faut changer pour. C'est quoi le mot déjà Bois Mélène. Quoi Ok. Bon, replay. Ouais. T'as du cas. Ouais, dernière game. 8-8-6. 4-0-0-1-6-2. 1-6-2. 4 t'es prêt? Ouais, 3-2-1-go. Ce serait pas pire si on pouvait filmer, on pourrait voir le même écran. Parce que c'est un peu plate qu'on. On peut pas commenter ce qu'on voit en même temps. Ça, ben en fait, moi je trouve que c'est mieux. Parce que ça fait que toi tu vois des choses que moi je vois pas. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est pas grave si justement on commente pas la même chose. Parce que le public le sait ce qu'on voit. Ah, c'est vrai. Toi, dans le fond, ils vont voir ton écran. C'est ça. Moi, en fait, justement, c'est mieux que tu dises des affaires que moi, je vois pas. Comme ça, si tu vois quelque chose que moi, je vois pas, c'est parfait. Ça, je suis tantôt, je suis resté en haut. Parce que ouais. Sinon, si je reste une personne, ben. C'est souvent que ça que je fais en tant que co-caster. C'est ça. Puis si toi, mettons, tu vois quelque chose de gros, ben, je peux le voir. Tu peux dire ça. Là, t'es à combien de temps en haut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon. OK. Parfait. Là, il faut que je change les scoreboards. Je vais mettre un petit deux au bord. On a 4 échangeurs. Monsieur Kane, Neve, 4... 4 burgers. Ouais, burger. Decimation pour Terminus, on le voit pas souvent. Pas ça, ah, rien de blanc. Oh, Combustible Drogos. Ok, un petit peu différent ce qu'on a actuellement. Si il fait ça, là, ça va être un méchant handicap pour leur team. C'est vrai que c'est pas tant une map pour Combustible. Ah, si. Ouais, mais c'est Terminus, il va tous les absorber. Ils seront pas capables ça d'en faire. Ça aussi, c'est vrai, t'as raison. Presque, ça va être dommage. Mais encore là, ça dépend si Philo, je peux faire la job. On l'a jamais vu jouer en tant que Drogos. Ah, c'est ça. Que ça Terminus. T'es immense. Ok. On va essayer de voir le premier hook. Ah, c'est Supergirl qui joue Makoa. Ouais, c'est ça. Sale. Ah, Willow, Taba, là, il. Terminus, il fonce sur le tas. C'est parce qu'il va faire un flank en arrière. Ah, Jiwi qui est là, il est Terminus. Parfait. Mais Tabas qui voit pas du tout Tabas en arrière, qui fait énormément de damage. Il vient de tuer Turondin. Ah, là, et là, c'est Drogos qui le voit. Ouais, Turondin est mort. C'est un gros flank qui va faire vraiment mal. Par contre, du côté des tanks des bleus, on commence à avoir des difficultés. Ah, ben là, ils viennent d'en perdre plusieurs. Ouais. Mamie va prendre le ménage. On vient de perdre le Luna, donc ça va commencer à être plus dur pour les bleus d'avoir okay. Pour les rouges. Oh, c'est bon. Ok. Bon, on a manqué un petit peu de pression, les rouges. Ça a commencé à s'en bien s'en venir, puis oh. Non, je pense qu'on a eu un problème de connexion. Évidemment. Bon, j'avais entendu parler de ces problèmes dans ce game-là. Ça risque de plaguer un peu la game. Je pense que c'est Moi Moi qu'on m'avait dit qu'il avait déconnecté. À ce moment-ci. Il joue sur qui? Il joue sur Barrick. Ouais, ça a bien d'allure. Là, j'ai pas le goût de faire page-up parce game, que ça va jouer. C'était déconnecté. C'est dans la première game? Moi, j'ai entendu ouais. Que c'était sur cette game-ci. À Jiwix? Ouais. Pour moi. Peut-être qu'il s'est déconnecté deux fois. Non, c'était vraiment la première, parce que c'est pour ça que la première, il était question qu'il n'allait pas compter. Ok. Moi, j'ai entendu dire qu'à la fin de cette game-ci, il a dit oui que ça avait déconnecté. Ah, en tout cas, on dirait que tout le monde se déconnecte. Mais ouais. Je pense que c'est une tactique au niveau des deux équipes, là. Ça s'essaye. Ah, c'est clair.
Depuis que la fonction pose des revenus, là. Moi et PJ Wicks sont tous les deux dans la même équipe. Fait que, est-ce que c'est juste ta coquette qui... Là, il y a Bass qui est complètement à gauche, sur le côté de la beach. Ça reprend. Ah, il saute. Ah, il fait un ultimate. Ah, ah, ça va être bon, c'est ça. Bass, c'est numéro 1. Ah oui, il va-tu jouer boss, Philo. Ah. Les bleus qui ont... il y a pas mal de contrôle là-dessus. C'est vrai. Bass, il décide de rester en bas. Il fait attention. Il va monter. Parfait. Et ça fait mal, c'est un petit goodnight de la part de M. Kane. Je peux pas le trouver, je vais le trouver un jour. Kane, c'est. Là, c'est 3. Ah, fuck, c'est 3. Ouais, un beau hook de la part de Supergirl. Monsieur Moimer Bacon qui est en plein milieu, mais il va réussir à s'enfuir malgré tout. Kane, il fait 1v1 avec Tirondin. Ouais, puis M. Kane a failli mourir là-dessus. Oh, et ah, c'était le mauvais quart du côté de Tirondin là-dessus. On a décidé de pas presser, là. Ouais. Il y a Filouche qui va peut-être mourir là-dessus, s'il le trouve. Oh, un beau hold de la part de Ceres. Ah oui, c'est huge. Ils sont ouais, pas morts, par exemple. Ils sont pas morts, mais ça a permis à Filouche de rester en vie, en fait. Ceres qui joue la skin de merde. Ah, bon. Mais il y a vraiment... Kane, il y a vraiment les sens aiguisés, là. Il se retire quand il est low, là. Ah, mais on sait qu'il est bon pour ça. Il a un bon game sense. Là, il y a Jiris qui s'attaque à Filouche en arrière. En fait, oh, il flanque McCoy. Il va mourir. McCoy qui vient de mourir pour ça, mais Dewey vient de perdre sa vie aussi. Ah, il va revenir, Moimoi, il est tout seul. Ah, Moimoi, ouais. Je pense qu'il va s'enfuir. Ouais, il a réussi à s'enfuir. Donc, les rouges qui ont un bon lockdown sur cette place-ci, une bonne défense. Ok, mais là, Bass, il s'en va à ce côté, il va faire mal. Ah, il y a un autre ultimate, il va peut-être lutter. Il est où, Bass? Il sort de là, puis il va faire un ult. C'est bon. Ah, il vient de perdre Kane, il va attendre. Oh! Filouche qui a presque réussi à se rendre sur le pont. Et Supergirl qui vient de perdre sa vie encore. Bass est encore haut. Ouais. Oh! Il vient de tuer Tirondin. Ah ouais, il a eu Tirondin. Il va faire un ultimate là, ils vont pousser ça à fond. Ça c'est quelque chose. Et M. King qui va essayer de s'attaquer à G-Wix. G-Wix il va presque mourir, il va aller plus en avant pour essayer de tuer. Et voilà, G-Wix vient de mourir. Et là, est-ce que M. King va perdre sa vie? Non, il réussit à s'enfuir. Ouais. Faudrait qu'on se parle un peu plus du côté de Taco 4. Oh! Oh! Tirondin et Willow. On continue à pousser le point. Une chance qu'ils ont Tirondin sur Liane, ça aide. Ouais. Ça doit être dur pour Supergirl là, sur une manette. Ah, c'est clair. C'est pour ça que je trouvais ça étrange comme choix à Makoa sur une manette. Mais peut-être ça va pas le donner. Ouais, ça permet de changer un peu. Ah, regarde, il a fait un shield pour le bloquer. Est-ce qu'on fait un ult du côté Filouche? On fait le ult, on y va le tout pour le tout. Ah oui. Là, c'est G-Wix qui y va avec son ult en retour. C'est une bonne idée. Ok. Ah. Bien joué, G-Wix, d'avoir tué Filouche là-dessus. Ah si, ils ont même pas push. Non, ils ont pas push. C'est G-Wix qui est allé tuer Filouche dès la fin de son ult. Ouais. Ah, regarde, c'est quand même bon pour ça, c'est un ultimate. Parce que s'il prenait Moral Boost à fond, il pourrait le faire entre. Il n'aurait même pas le temps d'avoir terminé son autre ultimate, c'est très bon. Ouais, en fait, si Makoa s'était un petit peu avancé, en fait, je sais même pas si Makoa est encore en vie. Ben, Kane a fait son ultimate en ce cas-là. Ils ont essayé. Oui, Makoa est en vie, elle a fait un hook sur Drago Zaré. Si elle s'était juste un petit peu avancé, ça se peut que le point aurait pu continuer. Mais elle restait en arrière. La mec qui est encore égal, c'est pas pire. Willow 42, là, peut-être. Ouais. Sur mon nom, Yann. Pareil. Ouais, là. Mais tu sais, Joe Boss, une misère à 26 000 en arrière de Barry. Ouais, c'est sûr que c'est pas un match facile pour lui. Ouais, il va en avoir une misère. Ah, regarde, check ça, Kane sur le bord, c'est bon, ça. Pour lui. Ah, Chris, il y a eu H. Il est en train d'essayer de briser le chien, c'est bon. Mais il reste au côté. Ah, il va tuer Jiwix, c'est sûr. Non, Jiwix réussit sans feu. Il y a eu beaucoup de. Oh, par Filouche, j'ai pas vu que Filouche était là. Avec sa hache, on va faire mal. Ouais, mais il est pas là, par contre. 4. Oh, et là, t'es basse qui vient de se faire avoir par un ball de Tirondin. Encore. Ah, Bass, t'as pas trouvé facile, là. Là. Pourtant, il y a une très bonne game, Bass.
Ah, mais si c'était pas Liane, ça serait fou. Mm-hmm. Ah, Philo, je suis fait. Ah, il a changé d'idée. Bon, un haut de pétale. Ce qui va faire mal à la meilleure, mais pas grand chose d'autre. G-Wix qui va pas du tout qui s'attaquait par tes bases par en arrière. Oh! Et Turondin qui a réussi à s'enfuir avec une infime partie de sa vie. Il est encore là, il fait encore du damage. Il a pas le temps d'attendre que ça vient remonte, il faut qu'il fasse du damage. Il arrête pas là, il passe plus. Ouais, pas si malgré tout. Il fait attention. Nul de Kane encore. Non, je ne serai pas capable d'avancer dans le de balle. Non, bon. Ça va être difficile. Mais non. La pétale est mal placée là, elle va mourir là-dessus. À moins que. Elle est seule là. Ouais, mais elle a un peu de. Elle a pas assez de courage du côté de GX. Mais tu rendras la fin des flammes. Voilà. Un gros tagger de 12 secondes. Mais c'est pas grave. Je sais pas qu'il est temps qu'il meurt là, le temps que la pétale revienne. Ouais, on va essayer de s'enfuir. Non, mais elle est. G-Wix qui manque un peu, c'est comme Bustable en plus. Ken dans le back. Ouais. Il va se faire un combat contre G-Wix, mais Ken il a tout manqué ses balles. Mais puis là, je suis agressif, tu sais que ça là. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire sur le top de la petite, petite perron comme ça, mais. Elle a fait de la pression, ça fait qu'ils ont pu avoir G-Wix en retour. Ah, il a mis un chat en haut, tu sais que ça, Meave. Ouais, j'ai vu ça. Mm-hmm. Et il a été pogné là. Oh, il l'a détruit. Il était avec capable de sortir. Ouais, mais elle pousse, mais c'était pas une bonne idée. Ah, c'est quand même revenu. En ce cas, il protège le coin gauche. Ouf! J'ai vu que j'ai failli faire un super beau jeu là-dessus. Mais t'es basse qui risque de s'enfuir. Ken, il attend vraiment. Il veut passer à gauche. C'est sûr qu'il y a personne. Je pense qu'il fait juste, ouais, il tire un peu partout. Il a une bonne place en ce moment pour tirer tout le monde. Il va peut-être se faire avoir par M. Gain par contre. Par GW, je veux dire. GW, il va peut-être se faire avoir par M. Gain. Oh, il a. Filouche qui continue à faire sa grosse attaque. Filouche qui joue de façon super agressive. On a perdu Sirius, ça va être dur. Ouais. Juste que Sirius tombe. Les deux tanks sont en difficulté. Faut qu'ils circulent plus rapidement. Ah, ça va être dangereux, il faudrait pas que ça fasse un 3. Ouais, elle est déjà revenue, c'est bon. Oh, un beau hook de la part de Supergirl. C'est beau, ça. Ah. Mais tu vas réussir à s'enfuir. Kane dans le back, il fait un ultimate. Le beau hook de Filouche. Ok, mais là, il donne tout. Doute. Ouais, il donne tout bien pas le choix, je pense qu'ils veulent vraiment pas perdre ce point-là. Ah, c'est ça. Ah, je pense qu'on va, on est correct du côté des bleus. Je pense qu'on va réussir à survivre. Ils n'ont plus de tanks du côté des rouges. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas grand focus. C'est vraiment du damage dans le tas. Il y a seulement Arimi avec son. Arimi a. Ah, il est en train d'élever son chien. Ouais, c'est ça. Le plus de ça. Ce qui est fun avec le chien, c'est que le colorize n'est pas appliqué dessus. Fait qu'elle peut élever son chien. Ouais. Ah ouais. Par contre, le bulldozer fonctionne en masse. Mais il n'y a pas de bulldozer en ce moment dans l'équipe. Ils l'ont-tu, non? Non, ils l'ont pas. Ce serait peut-être une bonne idée de la prendre parce qu'on voit que Luna a fait beaucoup de difficultés en ce moment dans l'équipe. Tantôt, Ken, il a eu la misère, il était coincé en haut, puis elle avait envoyé un chien en haut. Mm. Il ne pouvait pas sortir. Ouais, ben là, il cote 3 de chaque bord. Il y a beaucoup plus de cotes côté l'équipe à Turondin. Ouais, ils veulent vraiment pas voir ce que Peter Princess peut faire. La série, c'est ça qui est peut-être pas le livre. Ouais, mais si on va dans le game, ça donne plus. Nadir Pétale a vraiment. Ouais. Sérieux, c'est un bon potentiel des lignes en général parce qu'on en fait beaucoup en effet. Mais une fois que Color S3 est en ligne, ça commence à être beaucoup plus dur à Sérieux de faire un quelconque impact sur une game. Donc c'est une bonne idée du côté de Takoka d'avoir pris toute Color S. Bon, ça va sûrement se passer à droite, mais derrière moi, Kane va aller encore à côté de la vie. Kane est à gauche. Il va faire du pont de loin. Il se met à la même place que tantôt. Bah, puis Jerry, ça a failli mourir là-dessus. Vous venez de dire, il va mourir. C'est sûr qu'il va. Plus, il est en mort. Non, ouais. Oh, et là on vient. C'est un gros bain de sang en ce moment, on sait pas trop qui va sortir de ça. Ultimate de basse. Ah, plus Supergirl. Wow, ouais. Celui de basse puis Supergirl, ça vient de faire mal. Toutes les équipes viennent wiper pas mal. Et aussi Arimi.
Le Spogger, elle se bat avec le chien. Arimi, le chien, là, c'est le café. Ouais, ben. Arimi. Ça le stun en plus. Arimi, si tu faisais encore attaquer par Bass, elle le voyait pas encore. Mais on a besoin d'avoir Bass. Bass, il est où, là? En ce moment, il est sur le high side. Il fait juste flanker. Ouais, là, c'est moi et moi qui viendrais le voir. Ouais. En plus, on vient d'avoir un autre. Encore. Ah, mais là, King, il est mal placé. Ah! Oh, King a réussi à survivre. Ouais. Ah, il va être content. Ça va faire une bonne différence, puisqu'il va être capable d'arriver sur les rouges ensuite. Ils vont se rendre sur le point? Non, ils seront pas capables de se rendre à temps. Ouais. Mais moi, qui est vraiment sur le point, mais pas assez. Ah, il va aller sur le Jewix. Il va aller sur le rondin. Il va tuer. Le Kane est en train de tout tuer là. Deuxième, double kill. Vas-tu jouer? Ah ouais. Super kill, vas-tu faire un quadra kill sur Darik? Peut-être. Non, Bass va aller le piquer. Non, non mais Bass l'a aidé. Ouais, je pense que c'est vraiment sinon. Hey! Ouais, il est super mal. Ah ben malheureusement, il a dû attendre sa limonce. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a plus ça de façon défensive qu'offensivement. Ouais. Oh, là, le meilleur, c'est qu'il avait pas du tout vu que Filou était en arrière de lui. Ah, fuck. Mais tu vois, t'avais raison. Jux utilise seulement son hold quand Filou fait son hold, ça fonctionne très bien. Ça marche bien. Mais ouais. C'est ça, il peut l'utiliser plus tant qu'il a peur. Il va nous aider. Bon. Barrick en haut. Attention, Momo il est en haut, il va aller sur King. Ouais, c'est beau aussi. Ouais, il va se faire backer par son team. Oh, ça en fait mal. On vient de perdre les deux DPS du côté de Baton Tinder. Tu sais qu'il leur manquait un peu de contrôle du haut. Ouais. Mais en même temps, ils fonctionnent très bien. Ils font une bonne défense en haut, premièrement. Baton Tinder. C'est Taco 4. Ouais, la défense c'est bonne. Mais là, c'est bon. Si Barry reste en haut, il y a mis une tourette, je pense qu'il va rester en haut pour empêcher Ken de monter. À part s'il y a un bug de Makoa qui se fait. Ce qui pourrait arriver. Ouais, là, Ken, ça va l'écœurer. Il va la misère à monter. Ah, mais il va aller sur son bain. Un bug sur tuer le Meas. C'est le Meas qui va avoir de la difficulté à s'enlever de là. Le Meas qui est mort. Momo, il fait du beau. Une belle défense, là. Un chill plus des tourettes. Ah attends, mais Ken a réussi à monter pareil. Ken est monté. Ouais. Oh mais là, moi, Jurix vient de se faire avoir par Tebas. Moi, en retour, c'est Ken. Fait que ça a l'air d'être un autre beau Vincent qui résoudra pas grand chose. Oh, un beau de la part de Supergirl qui vient enlever Barry du haut, mais ça serait un petit peu trop tard. Trop peu trop tard, malheureusement. Je pense que Supergirl va perdre sa vie dans pas long. Quoi que ça lui prend du temps, pareil, elle a réussi à se tenir. Ouais, Starkey, pas mal son équipe. Il y a juste un, il y a deux, pas trois. Non, excuse, en fait, il y a trois. Là. Non, et ça va être probablement une belle défense réussie. On va s'en aller vers un 3-3. Ok. 3-3, c'est chaud. C'est un beau hook, ça, de descendre Barrick. Ouais. C'était le hook qu'il a fallu en fait. Côté ultimate, 1, 2, 2. J'avais pas compris, c'est le qui. 4 ultimates, côté de rouge. 2. Ben là, il y a trois bons ultimates. Il y a ça, Willow, Maeve. Ça peut faire mal. Moi, je pense qu'ils vont pas attendre longtemps pour le faire. Non, en plus, je pense que Maeve, ça va être dès le début, puis Willow en même temps. Puis Makoa, en fait, elle son haute aussi. C'est pas le gars, elle va le faire. Elle va peut-être bien aller sur le point pas mal, elle, puis essayer de capter le plus possible. Mais de l'autre côté, on a aussi 5 ults. Ok, je suis d'accord que celui de Dio, ça va pas grand chose. Mais les autres peuvent vraiment avoir un gros impact sur la game. Ouais, ça peut être bon. Je sais pas si Ken va aller encore côté de la beach. Oui, non. T'as pas les rouges ont flanké en maudit par contre. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, oui. Basque et Ken. Ah, Spogger a décidé de tout de suite. Pas plus de chance. Ben, c'est bon, comme ça, ils sont sûrs d'avoir leur pick. C'est ça. Ils ont au moins eu Arimi, ils ont eu le healer. Et Maïma qui fait le grand tour. Mais moi, il y a encore des teammates. Ouais, moi, qui ont 2 DPS en ce moment, je sais pas s'il va réussir à survivre. Non, il survivra pas. Le meilleur, c'est qu'il va se faire staggerer après ça. Tu rondais dans le bas. Non, il est pas de son bord. Series. Nice. Il est de son bord, je pense. Il y a eu Ceres. Oh, oui. Ah, c'est bon, ça. Le meilleur, c'est qu'il se garde en vie. Ah, elle a pas vu.
Il est pas impliqué. Est-ce que là, Mars va être capable de tuer Makoa? Makoa reste en vie? Ouf, ça, ça va être un gros moment important. Avait un Kane derrière lui. Ouais. Le hold qui n'a pas servi à grand chose, mais. Merde, ça n'aurait pu marcher par contre. Est-ce que ma future rondelle va avoir M. Kane? Mais Kane, c'est un 1v3 là, ouais, là. Mais c'est un beau hold de la part de Pétale, ça. Son lot, ils ont plus de dealer là. Ah, puis Filouche a encore son hold, ça qui va sûrement aller se péter dans le tas, et voilà, c'est la fin de Metantin. Pour Metantin 2, la victoire. Ils ont perdu à Rémi, puis après ça, s'il est capable d'avancer. Ouais, des grosses games. Kane, Neve, Willow, Bass, ils sont pas allés. Ah, mais j'aime vraiment la façon que Bass joue par rapport à Filouche. Filouche, on dirait qu'il y a une façon de jouer très, très différente sur Willow. Mm. Puis, on dirait que Bass fonctionne pour certaines maps, Filouche fonctionne pour certaines maps. Non, j'aime ça la dualité qu'ils peuvent avoir, ces deux-là. Ah, c'est peut-être qu'on voit plus les scores, mais. Ouais, non, c'est clair. Ça prendrait des screenshots. Les stats à la fin, ça serait le fun. Ouais, des fois, ils nous les donnent, des fois, non. C'est sûr que c'est dur de donner des screenshots parce que des fois, on est trop content ou trop. trop pas content. Donc, on y passe pas trop. Win, mais là, il doit être. Là, j'imagine que de chaque côté, il y a eu un gros stress. Ouais, probablement. À 3-3 comme ça, c'est une game 3. On sait comment que ça donne des frissons, c'est quasiment un jeu contre Durant, là, SVP. Ouais. La grosse stratégie de côté. Je pensais pas là. Moi, j'ai hâte de voir la split 2 avec justement toutes les revanches de ces équipes-là. Ouais, ben moi, je sais, là, ce qu'il va falloir faire, c'est bannir Willow. Ça se fait très bien. Faut pas que Willow et Neve se ramassent ensemble. C'est dangereux. Je dis pas que c'est un win assuré, mais c'est vraiment dangereux. Ben, c'est dangereux, effectivement, mais il y a tellement d'autres choses qu'il peut faire mal. Makoa, on l'a vu aujourd'hui. Makoa, j'étais là dans les 3 games. Première fois depuis ever. Mm. On a Makoa dans les 3 parties. Puis on a vu quel impact ça peut avoir. Ouais, c'est super gars, là, a fait des beaux hooks. Ouais. Puis on a eu Moïma aussi qui a fait des beaux hooks. Turondin a fait des beaux hooks. Turondin, ça a moins bien été sa game, mais il y avait aussi. Il y avait d'autres problèmes en fait dans cette game-là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des games serrées. Là. Il n'y a pas tant de meilleures équipes qu'une que l'autre. C'est la fin 4-3. Donc dans ce cas-là, c'est pas mal. Ouais. Ça aurait pu être une comme l'autre. Là. En effet. Dans le fond, il n'y a pas tant d'équipes. Mais il y avait une équipe avec un petit avantage, j'imagine. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça. Malheureusement, pas d'interview parce qu'il n'y a personne. Mais remarque qu'on aurait fait un interview s'il y avait quelqu'un, un des deux équipes qui serait là live, mais je sais pas si c'est le cas. Ouais, peut-être. Ben, il y a moi qui. Il y a 15 qui est là, mais. Ouais. Ben, non, alors, on va essayer. Non, pas d'entrevue. Moi, j'ai rien, jamais de questions à poser là-dessus. C'est moi qui dois même s'assommer. Non, mais après, il était fou enthousiasme. Ah, tu vas peut-être demander. Souviens-tu. C'est sûr que tu t'as souviens. Ça a dû marquer. Oups. Mais je pense qu'il doit être à job. Non, il jouait tantôt. Ouais. Ce sera pas long, les spectateurs. On essaie de trouver de Denis Chicane. Là, il nous reste une semaine pour la split 1. Donc, deux gros matchs qui s'en viennent. On va voir Viril contre Taco 4 et on va voir Vermillon contre Metantender. Des gros matchs, des grosses équipes. Tu vas être à peine demander ou pas? Non, je pense pas. Non. Bon, ben, c'est pas notre faute la prochaine fois. De toute façon, ça fait un peu trop longtemps, ils sont plus dans le fil d'action. Là. Non, c'est ça, ça fait vraiment grand chose. C'est bon, 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 bon on va vous voir la prochaine fois, c'était des bons matchs. Ouais, le prochain casse, c'est le casse de ta game. Yeah. Et oui, non, je vais faire ça avec quelqu'un. Yeah. Ok. Donc, à la prochaine. Merci, Tom, de m'avoir accompagné. Plaisir. À plus. Bye bye.